Composé des cahiers, stylos, crayons, boîtes à craie, ardoises et bien d'autres, plus de 200 élèves ont bénéficié de ce kit scolaire qui vient à point nommé encourager les apprenants du village Yubi à reprendre avec joie le chemin de l'école. Hormis les fournitures scolaires, des documents administratifs ont été également remis au personnel enseignant, un geste qui s'inscrit dans le droit fil de soutien et qui permettra aux enfants d'effectuer une bonne année scolaire, a souligné Xavier Porte-Devin, directeur général de la société Sintoukola Potache. Pour Sintoukola Potache, l'éducation est un facteur primordial à l'épanouissement, au développement de chaque individu. Et pour nous, il est important que dans la communauté dans laquelle nous faisons partie, c'est-à-dire Yubi, mais également les 10 autres villages de la zone du projet, nous puissions aider à ce développement et cet épanouissement des élèves. Et c'est pour cette raison-là que nous avons souhaité participer en fournissant des kits pour les élèves. Présente à cette cérémonie de remise de kits scolaires, Patricia Nicole Poitier, directrice départementale de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Kwilu, a loué ses gestes. Je pense que vous avez compris le rôle important de l'école dans la vie d'un enfant. Et tout à l'heure, nous étions en train de changer et vous nous avez dit que si tout se passe bien, vous êtes là pour beaucoup de temps encore. Et je suis sûre que vous aurez besoin des personnes qui sont formées, des personnes qui sachent lire et écrire. C'est pourquoi d'ailleurs, dans votre planning, dans ce que vous allez donner, vous avez pensé également à ceux qui font la réscolarisation. Mais pour l'instant, nous vous disons merci et que la fête commence. Un geste de soulagement pour certains parents a signifié de donner nombre. La façon dont la société Sintoukola Potache vient nous partager l'équipe dans la première fois dans l'école de Yubi, en tout cas, nous, population de Yubi, nous sommes satisfaits par rapport à ce geste. Donc, nous demandons aux élèves qui ont reçu les kits de faire bon usage de ces kits-là et les résultats en fin d'année doivent être les résultats positifs. Spécialisé dans l'exploitation de la potasse au Kwilu, Sintoukola Potache entend soutenir, encourager et accompagner le secteur de l'éducation dans les villages environnants son site.